Salut les ploucs, comment est-ce que ça va tout est? Écoutez, on est dimanche matin, il est 10h12. Et bien le bonjour où je filme une vidéo. Que je vous explique un petit peu. Déjà ma tête est fatiguée, j'ai fait une semaine d'insomnie et je dors seulement depuis 2 jours. Alors vous me pardonnez. Aujourd'hui j'ai décidé de prendre ma vie en main, de faire une journée productive parce qu'on est dimanche et je sais pas vous mais moi j'ai 2 types de dimanche. Soit j'ai un dimanche très cocooning avec des masques, je fais mes ongles, je mange plein de chocolat, très girly dimanche. Soit je suis là en mode girl boss, j'ai envie de reprendre ma vie en main et d'être la personne que je veux devenir. Et aujourd'hui je me suis réveillée avec cette envie. Donc je me suis dit mais go faire un petit vlog, comme ça en fait ça va vous motiver. Enfin j'espère, peut-être pas du tout. Donc en gros je vais vous montrer tout ce que je fais, comment j'arrive à m'organiser pour justement être productif, tous les trucs et les habitudes que je mets en place au quotidien. Le premier truc que je me dois de faire, c'est mon café latte au lait d'avoine supplément caramel. Sinon ma journée commence mal, j'ai besoin de mon café. D'abord je refais mon lit, sinon je vais vouloir y aller. Hop, j'arrive avec mon siège. Princesse Lily! Bon, je crois que c'est vraiment l'heure de faire la skincare parce que là, ma peau en soi n'est pas moche, mais elle est très sèche parce que déjà vous êtes trop bas, ça me stresse. Chin! Pour ceux qui veulent savoir, je mets du lait d'avoine, je le fais mousser, ensuite je mets du café genre soluble et je rajoute des gouttes de sirop qui vont mettre. J'ai plein de goûts, j'ai goût caramel, goût noisette, goût vanille. Bon, quoi qu'il en soit, c'est l'heure de la skincare parce que là, ma peau avec le manque de sommeil, ça va pas, la question. En plus, en ce moment, j'ai une nouvelle skincare qui est archi cool, donc je vais vous la partager. Faut que je vous raconte un truc là. Là, c'est trop pour moi. On a cambriolé ma voiture, on a cassé ma fenêtre de voiture. On est venu me voler. Les gens sont trop mauvais, ça me dégoûte. Les gens sont mauvais. Oh, j'ai vraiment aucune gueule. Je fais... Non mais je suis vraiment trop moche là. En ce moment il y a énormément de changements dans ma vie. Ce qui fait que je stresse. En fait je stresse pas comme avant. Genre avant je faisais des crises de panique, j'avais des plaques, je me grattais. L'horreur. Là je stresse différemment, je stresse dans le déni. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? En fait je stresse, hein, j'ai très bien conscience que ça me prend l'esprit mais ça va plus me fatiguer qu'autre chose. Ça va pas être en mode... Tu vois, genre par exemple, je vais avoir une perte de l'appétit. Enfin, je sais pas, depuis 2 jours, manger des trucs gras, ça me dégoûte. Genre, alors que, enfin, on parle de moi, quoi. Les yeux, j'ai utilisé le contour des yeux de Mario Badescu. Et maintenant, j'ai utilisé un sérum qui vient de chez Typology. C'est celui à la vitamine C. Que voilà, et du coup, je sens que j'ai besoin de reprendre ma vie en main pour un peu tout rendre plus clair dans ma vie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je me comprends. Et aussi de beaucoup plus prendre soin de moi. Parce que je me rends compte que, genre, dans ma vie, je laisse tellement les gens prendre de l'importance. Quelqu'un va aller mal, bah dans ma tête, je vais directement devoir m'occuper de lui avant de m'occuper de moi. Sauf que, non, enfin genre, tu peux très bien faire un équilibre entre être là pour les gens, mais aussi écouter toi, tu vois. Écoutez, voilà, j'ai décidé d'être un peu plus égoïste et de penser à moi. Là, je vais utiliser une crème hydratante de chez La Neige. Aujourd'hui, je vais devoir travailler pour les cours, je vais devoir travailler pour YouTube, je vais devoir faire du montage, enfin bref. On va faire ma petite to-do list ensemble, comme ça, ça va être cool. Mais j'ai décidé d'être productive, mais de prendre mon temps aussi pour faire les choses. Là, regardez ce que je vais utiliser. C'est des trucs qui viennent de chez Caudalie, c'est en collaboration avec My Little Box. Et en gros, c'est pour te masser. Et c'est hyper frais, j'adore. Grave le kiff. Maintenant, on va organiser un petit peu la to-do list du jour parce que c'est bien beau de se réveiller, de prendre soin de soi, mais quand faut s'activer,
très activée. Alors aujourd'hui il faut que je fasse une story pour une marque de matcha, que j'achète un trépied, que je fasse du journaling, que j'aspire ma chambre. Je voulais faire du pilates ou des étirements, que je cuisine, que je fasse de la lecture, que je prépare mes vidéos, que je fasse mes miniatures, que je fasse un devoir pour l'école et que je recherche mes alternances. Donc ça veut dire envoyer mail et organiser moi qui arrive. On a quand même une petite to-do list. Donc, let's go! Il y a tellement de gâteaux, j'ai envie de tout prendre. Trop dur de choisir. Trop dur. Vous avez déjà vu ça? J'ai jamais goûté. Moi, je suis une fan de crêpes waouh. Mais alors ça, petit donut choco-noisette, je prends et on va tester. Des courses, je me suis maquillée un petit peu parce que ma tête je ne la supportais pas. Donc petit make-up très simple comme d'hab, j'ai envie de vous dire. Et fallait que je vous montre un truc. J'ai craqué le slip, enfin je mets pas de slip mais t'as capté. J'ai acheté un article chez The Couple. Je fais jamais ça, je dépense jamais mon argent, je suis toujours archi attention, mais là je me suis dit quand j'ai vu le truc j'étais obligée de l'acheter. La vendeuse elle m'a trop incité à faire des choses pas bien avec mon argent. Donc je vais vous montrer tout ça quand même. Comme vous pouvez le voir, il y a des paillettes, vraiment, mais c'est tellement beau. Je me suis fait un cadeau de moi à moi parce que j'avais envie et que je le fais jamais. Et je me suis dit, vas-y, c'est bon, pense à toi un peu. En ce moment, je suis très pense à moi, mais je suis pas selfish, hein. C'est juste, vas-y, flemme de penser aux autres. Je me suis acheté un ensemble à paillettes pour faire la star durant les soirées. Regardez, c'est un petit haut crop top avec un col roulé magnifique. Et les paillettes, il y en a des dorées et des argentées, elles ont été posées à la main. Oui. Et le pantalon, toujours dans le même thème, plein de paillettes. Il est trop beau parce qu'en gros, à la fin, il est ample et il est magnifique. Vraiment, il est magnifique. Et comme je suis un peu en mode all time, faut trop que je vous montre un autre truc de malade, enfin vraiment incroyable. Il y a quelques jours, j'étais allée à un... Comment on appelle ça? Une sorte de journée presse. Enfin bref, en gros, il y avait plusieurs marques de chaussures qui lançaient leur nouvelle catégorie. Et il y avait la marque Freelance. Et du coup, j'y suis allée avec Bluen. Bluen qui est en gros ma talent manager, qui s'occupe des contrats et tout. Qui est la meilleure au monde. Je sais pas si elle regarde mes vidéos, hein. J'espère. Sinon, je te parle plus. Et bref, on y est allé et tout. Et après, je lui avais envoyé en photo mes coups de cœur pour si jamais je pouvais faire un concours avec la marque ou si je pouvais faire une collab ou quoi. Mais rien n'était dit. Enfin, voilà, c'était juste, on allait voir ce qui allait se passer. Et je reçois un message il y a pas longtemps. Et là, je reçois un message de Bluen qui me dit, tu as reçu un joli cadeau de Freelance à l'agence avec un sac énorme. Et moi, j'étais en mode, oh my god, genre, j'ai pas envie d'attendre de revenir à Paris. Envoyez-moi direct que c'est quoi. Parce que je savais pas du tout. Et regardez-moi cette merde, ça c'est ma voiture cassée. Regardez comme c'est trop beau, c'est des Santiago en cuir noir, elles sont magnifiques. J'ai qu'une hâte, c'est de les retrouver et de les porter, parce qu'en plus je voulais m'acheter des Santiago, donc je me dis mais c'est quand même incroyable, genre l'univers il m'a entendu quoi. Donc écoutez, je suis trop reconnaissante, c'est vraiment un truc de ouf. Donc j'ai trop envie de vous les montrer dans cette vidéo, mais je ne les ai pas sur moi. Là je suis à Lyon et elles sont à Paris, donc je ne peux pas vous les montrer. C'est pas que je veux pas, je vous assure que j'aimerais. Regardez mon carnet comment il est trop kiki. Il vient de l'Insta Réinvente Studio. À chaque fois que vous me demandez genre mon verre et tout, Réinvente Studio, meilleur endroit pour acheter des trucs genre esthétiques. Et il y a marqué en train de devenir celle qu'elle arrivait d'être. Girl, bienvenue dans ta safe place. En gros, t'as une page objectif du mois où tu vas noter tous tes buts, etc. Et après, t'as aussi une page avec des objectifs perso. Donc j'ai commencé à faire ça. Et je peux du coup cocher ma story matcha parce que I did it. Donc voilà, là je vais faire un petit peu d'organisation, tout ça, tout ça.
Ça y est, j'ai fini de faire mon petit journaling, ça m'a fait trop du bien. Vraiment, c'est un truc, je vous conseille tellement de le faire, ça prend pas beaucoup de temps. Et ça vous fait des souvenirs de ouf, ça vous permet aussi de prendre du recul sur ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Bref, pour moi, il n'y a que des points positifs à ça et ça vous permet de passer un moment avec vous-même. Moi, je le dirai jamais assez, mais être solo, c'est la vie. Il ne tarde pas de manger et ce midi j'ai envie de me faire une petite salade composée parce que j'ai des tomates, des carottes, de la salade, de la mozza, de la dinde et du pain grillé et du chèvre frais. Ça va être très sympa. Et en plus, j'ai du coca. J'ai du coca. Je suis chez Ninouche qui est en train de manger. Voilà, il est 15h, enfin elle mange alors que moi c'est, enfin j'ai mangé il y a 1000 ans quoi. Pendant que madame mange, moi aujourd'hui je vais travailler, c'est à dire que je vais faire du montage, je vais chercher aussi des alternances, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ma vie va changer, j'espère, sinon on est skin. Du coup ça va être montage, mail, bref des trucs chiants mais indispensables qu'il faut vraiment que je fasse et il faut que j'achète un trépied parce que j'ai cassé le mien. Donc mode businesswoman activé. De bien bosser, c'est cool. J'ai appelé en plus un mec pendant genre une demi-heure pour des alternances et tout, donc j'étais productive, c'est très cool. J'ai acheté un trépied, j'ai répondu à des mails et tout, et là je vais faire du montage, mais d'abord pause goûter. Ça va partir sur de l'ananas, du pain et du Nutella. Est-ce que vous aussi vous prenez des goûters ou si je suis vraiment une enfant? Pour moi c'est primordial. Mode girl boss là. En gros, le goûter c'est fait, les appels pour les alternances, tout ça c'est fait, donc c'est archi cool. Et j'ai rangé la cuisine parce que c'était un bordel. Ça fait même pas 24 heures qu'on est ensemble avec Nina, on fout déjà le zbeul, sauf que moi je suis maniaque. Voilà, faut que je vous l'avoue, c'est un vrai problème. Et quand c'est mal rangé, je vais mal. Je crois que j'ai un problème. Là j'étais grave dans un bon mood, mais j'ai reçu un message qui m'a saoulé. Genre, tu sais, quand t'attends un message d'une personne en particulier, qu'elle te répond pas pendant 1000 ans et qu'elle revient comme une fleur comme ça. Bref, Lily est piquée. Voilà, c'est, ça m'énerve. Du coup, j'ai pas envie de lui répondre. Je vous raconte tous mes problèmes de cœur, mais
je suis grave saoulée. Je déteste l'attente. Genre, les gens jouent trop avec nos sentiments. Bref, je ne calque pas, c'est pas grave. Je vais m'occuper de mon montage, ça va me faire penser à quelque chose d'autre. Lily pique, moi je vous le dis. Ce soir du coup il y a des copains qui arrivent pour faire une petite soirée crêpe party qui est très très cool. On adore manger, on adore les crêpes et c'est moi qui avais l'idée des crêpes. Félicitez-moi. Donc écoutez voilà, opération montage. Et je pense que c'est tout bon. Rien d'autre qui me vient en tête. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je ne sais pas, la vie est belle. Enfin non, pas trop. En ce moment j'ai une vie de caca boudin. Je décide d'être dans le déni parce que je préfère ça et que sinon ça me fait du mal. Donc j'adore le déni, la vie est belle. Bref, j'arrête de parler et je fais du montage. Merci. Ce soir on fait des crêpes parce que c'est soirée crêpe avec les copains. Du coup on fait la recette de ton père. Yes sir. Ok. Il est 18h45 et nous allons commencer à faire les crêpes. On s'y prend un petit peu tard. Elles vont avoir le temps de reposer. Oui.